Voilà, c'est parfait. Je me sens comme chez moi maintenant, mais c'est ma chambre, c'est plus celle de Lily. Oh, je me demande ce qu'elle va dire quand elle va découvrir que sa chambre est comme ça, avec plein de toiles d'araignée. Qu'est-ce que j'entends? Il y a quelqu'un dans la chambre de Lily Rose. Mon miroir, ma boule de cristal, ma fiole magique. J'ai entendu du bruit, mais normalement ils sont pas censés être là. D'ailleurs, je leur en veux toujours. Ils sont partis en vacances sans moi là. Lily Rose, elle rate le collège et moi je suis tout seul ici. D'ailleurs, il faut que j'en fasse hein, parce qu'il n'y en a presque plus. Ah, ma baguette. Ma baguette, elle est là, mon bâton. Oh là là, ça m'a fatigué tout ça. Oh, je vais faire une sieste. Comme Papa Pig. Mais d'ailleurs, je sais même pas où il est celui-là. Tant pis. Ah, je me sens bien. Je me sens comme chez moi. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Comment je vais faire? Je vais pas aller voir tout seul. Il faut que j'appelle. Faut que j'appelle Peppa Pink. Bah d'ailleurs, je suis chez moi maintenant encore. Allez, c'est parti. Allô, Peppa Pink. Oui, allô. Qu'est-ce qu'il y a? Allô. Ah. Allô. Ah. Merci de répondre. Vous auriez pas dû me laisser tout seul à la maison là. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe encore? Je pense qu'il y a quelqu'un dans la chambre de Lily Rose. J'espère que Lily Rose, elle va pas venir. Elle va pas venir m'embêter. Hein? Allez. J'ai entendu du bruit. Et... comment ça, t'as entendu du bruit? Bah, je sais pas, là, ça gratte en pleine nuit. Comme si qu'il y a quelqu'un qui était en train de s'installer dans la chambre, en train de déménager plein de trucs et tout, et je sais pas comment faire. Mais où ça? Dans quel endroit? Mais dans la chambre de Lily Rose, je te l'ai dit plein de fois. Bah alors, vas-y, pour savoir ce qui se passe. Tout seul comme ça en pleine nuit? Oh, ça doit être, je sais pas, la maison elle est vieille, tu sais, il y a du bruit, tout oui, ça. Oui, mais là c'est quand même des gros bruits. Bon, je te rappelle. Sérieux? Je te rappelle. Bon, les amis, je vais devoir aller dans la chambre de Lily Rose tout seul comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, ça c'est bien. Ça. Pour moi, si quelqu'un m'embête, je le mouline. Ah, ce qu'on est bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on habite ici, mais justement, c'est peut-être ça le problème. Je sais de quoi est capable cette maison. Bon, il faut que je prenne mon courage à deux mains, même à trois ou quatre mains, là, si je pouvais. Qu'est-ce que c'est? Là, j'entends quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui ronfle dans la pièce. Ça peut pas être Lily Rose, ils sont partis en vacances sans moi. Il y a vraiment des choses bizarres dans cette maison. On dirait que quelqu'un est venu pour décorer à son goût. Mince! Punaise, j'aurais pas dû faire de bruit comme ça. Je vais peut-être... Oh mince, ça ronfle plus. Oh mince, punaise, mais quelle tâche je suis! Comment je vais faire? Ça ferme pas à clé ici. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a réveillé là? Oh! Y a quelqu'un? Je sens qu'il y a quelqu'un ici. J'ai entendu du bruit. Je l'ai entendu ronfler. Qui ça peut être? En plus, on n'a plus de caméra de surveillance dans cette pièce. Je peux pas vérifier qui c'est. Allô, Peppa Pink? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore, Esteban?
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un, j'ai entendu ronfler et il y a des objets qui sont apparus. Il y a un faux, bon je pense que c'est un faux crâne, mais il était dans l'escalier et il y a quelqu'un qui ronfle dans la chambre de Lily Rose. Il y a une ambiance qui a changé dans la maison. Il y a quelqu'un qui est rentré, c'est sûr. C'est qui alors qui ronfle? Je sais pas, j'ai fait du bruit, je me suis enfui. La personne a arrêté de ronfler, donc je pense que je suis repéré en plus. Hein? Je suis pas tout seul dans la maison. Lily Rose! C'est toi? T'es revenu? Non. C'est bizarre, j'ai cru entendre quelque chose pourtant. Ça a bougé dans les escaliers. J'ai bien envie d'aller voir. Ça me semble bizarre. T'es pas rentré dans la chambre? Non, je suis pas rentré dans la chambre et je rentrerai pas dans la chambre. Je sais pas comment faire là. Bah écoute, vas-y pour savoir qui c'est quand même. Vas-y, c'est facile à dire quand on est à 1000 km au soleil tranquille. Moi je suis ici, il fait froid, je peux pas aller dehors. Mais t'as pas une idée sur qui c'est ou non? Si. D'après toi, c'est quoi? J'ai senti son odeur. Allez, c'est qui? Me dis pas un crâne dans la maison. Me dis pas que c'est elle. À mon avis, la sorcière a pris la chambre de Lily Rose. Encore? Mais oui, c'est sûr que c'est ça. Elle a profité que vous soyez parti. Oh, attends. Bah écoute, je t'ai pas la réveiller et puis lui dire faut, de partir. Il faut que je règle ce problème. Voilà. Je mets ça devant la porte. Au moins, elle pourra pas rentrer. Eh oh! Ah, j'ai un peu peur quand même. Heureusement que j'ai ma baguette magique, on sait jamais. S'il y a quelqu'un qui vient, je vais le transformer en grenouille. Il y a quelqu'un! Ah, pourtant, je suis sûr, il y a personne. Il n'y avait personne quand je suis rentré dans cette maison. Oh là 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 là. Ça doit être ce sacré Esteban ou je sais pas moi, Papa Pink qui est là. Oh, j'ai bien envie de regarder dans ma boule de cristal pour savoir qui est ici. À l'aide! Il n'y a personne. En même temps, à 3h du matin, qui va venir m'aider? Dis-moi, boule de cristal, qui est ici dans cette maison? Qui est ici? Qui m'a réveillé? Je vais rester ici, tranquille. On va se poser et elle partira peut-être demain matin. Ah là 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 là, c'est ce fripon d'Esteban. C'est lui qui m'a réveillé là, il va le payer cher. Ah là là, je... Alors, il est où? Ah, il est en haut. Je vais aller le rejoindre, le bougrignon. Je vais lui jeter un sort. En tout cas, j'espère. Les amis, si vous voulez savoir ce qui va se passer... Eh bien, ça sera dans une autre vidéo, bien sûr. Pauvre Esteban.